Et salut à tous, c'est Mods, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais ouvrir deux petits collectors, c'est les premiers. Hop, je vais faire montrer ça. Du coup, voilà. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Du coup, voilà, j'ai tout déballé. Dans le coffret Asterix Obélix, il y avait deux petites figurines, comme ceci. Donc, il y a le jeu, logique. Hop, voilà. En vrai, ça se présentait comme ça. Il y avait une boîte comme ça. Et autour, il y avait ça. Du coup, voilà. Déjà, pour ce pack-là, c'est bon. Après, pour l'autre pack, il y avait la boîte comme ça. Dedans, il y avait ça, la boîte rouge. Et la boîte comme ça de PS3. Du coup, c'est ça aussi que j'ai pas compris. Ils mettent une boîte de PS3, mais elle est vide. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. Dans le petit coffret rouge, il y a le jeu 3 et 4 de ce jeu-là, et le 5. Et là, juste à côté, il y a des petits trucs à coller. Et là, il y a un petit bouquin, un petit livre, vite fait. Du coup, voilà. Hop. Voilà. On va remettre ça dedans. Du coup, voilà. Il y a deux jeux. Et ça donne tout ça. Du coup, voilà. Ça, il y a le 3, le 4, le 5. Et des boîtes. Et voilà, deux petites figurines. En total, j'ai payé 110 euros pour le tout. J'avais payé 60 pour ça. Et 50 pour celui-là. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces petites collectors. Moi, j'appelle ça des collecteurs, après, appelez ça comme vous voulez. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner avec la cloche de notification, et ciao ciao tout le monde.